Et voilà, les chutes du Niagara, vue de dessus. On est juste, juste au-dessus des chutes, pour l'instant du moins. C'est déjà quelque chose. Il y a un courant de dingue, c'est incroyable. Voilà, on va marcher dans cette direction pour essayer d'arriver vers le bas, prendre un bateau et de les voir le plus près possible. Donc juste en face, normalement, c'est les États-Unis là-bas. On pourrait presque aller à la nage, mais bon, c'est déconseillé, je pense. Les chutes d'un petit peu plus près. Avec les chutes des États-Unis là-bas, je sais pas si on les verra. Et celles du Canada sont vraiment impressionnantes. Hein. Les chutes à 2 mètres devant nous. Alors on peut pas s'approcher plus près là. Pour vous comparer les chutes du Canada et les chutes des USA. Canada, USA. Ça y est, on est sur le bateau là pour aller aux chutes du Niagara, enfin sous les chutes. Et on a une ganache plutôt pas mal. Habillé tout le rouge et en carré poubelle, j'appelle ça. Et voilà, donc on va se diriger vers là-bas. Je vais devoir couper parce que le téléphone il va prendre cher sinon. Et apparemment on en ressort assez trempé quoi. Allez, c'est parti.